Bonjour, bonjour, ici Sierra Bryson pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Mario 3D World. Alors, la dernière fois, on était sur une zone de course des sables. Assez sympathique, somme toute. Juste que, si on veut pas mourir, il faut pas sauter à un endroit. Me demandez pas pourquoi. Je vois pas la logique, mais c'est pas grave. Et j'ai encore loupé ce monsieur. C'est pas grave. Hop là. Il y a une étoile, il va falloir que je saute sur l'ennemi, mais il veut pas. Hop, celle-là on l'a déjà récupérée. Non mais il faut choisir, soit quand je saute dessus je suis trop rapide, soit quand je saute dessus c'est trop long. En fait c'est parce que il tenait absolument à ce que je récupère l'étoile, c'est pour ça. Allez, on se concentre un petit peu. Non, bah non. Donc je suppose qu'il faut freiner des quatre fers sur un long moment pour avoir les étoiles qui s'alignent, on va dire. Mais bah non. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, normalement c'est là. Oui. Ça on l'avait vu dans le dernier épisode. Bref, faire attention. Parce que si je saute... Hop là. Hop là, là je crois que je peux. Oui, je peux. Youhou. Merci petit. On est parti. Oh. Je vérifie quand même si par hasard... Non, il n'y a pas la dernière étoile, elle n'est pas ici. Yes. Oh oui, encore un level de fée. Yeah. Woohoo. It's me, Mario. Eh ben, on a eu du score quand même. Même si on est mort encore et encore. Chlouf. Ça, bon, une petite étoile par-ci, une petite étoile par-là. Étant donné que j'avais fait énormément d'étoiles sur les premières zones, je pense que c'est pas préjudiciable. On va être honnête, je ne pense pas que ça soit préjudiciable. Le grabuge express. Oh, un niveau tuteur, enfin un niveau train. Donc un scrolling automatique. Bah. Faut bien y aller de temps en temps, hein. Alors, faire attention. D'accord. Alors là, c'était du pur génie, mon move. Ah, je pensais que je pouvais monter sur leur tête comme ça, mais non. Bon, bah, tant pis. Je le saurai pour la prochaine fois. Je ne vais pas les tuer. Voilà, si je pouvais avoir une petite étoile, ça serait sympathique. Non. Oh non. Ouh, j'ai réussi à l'avoir quand même, hein. Alors là, je vois qu'il y a des... Il y a des frérots marteaux qui se baladent par ici. Oh! Est-ce que c'est pour nous dire que la cheminée... Ah, c'est juste pour nous dire qu'il y avait un petit truc secret ici. D'accord. Dommage. J'aurais bien aimé que ça soit là. Ah, peut-être que c'était au niveau du frère marteau rouge qui avait une... Oh, bah tiens, la ninja. Qui avait la dernière étoile, tiens d'ailleurs. Ah, où est-ce qu'elle va aller? Là. Alors pour ceux qui se demandent comment on fait pour le reconnaître, c'est simple, c'est celle qui a la plus de couleurs. Les autres sont légèrement transparents sur les bords. Voilà. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué. Ceci est donc fait. Une petite étoile encore, bon. C'est pas si pire comme dirait l'autre.
là, yes. J'ai le drapeau jaune en plus. Yeah. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et oui, il y a un petit pont qui s'est fait. Oh, et plein de nouveaux niveaux qui apparaissent. Oui. Allez, à la prochaine. Bye.